désolé, s'il y a un peu de bruit autour de moi, donc les chiens qui aboient, un camion, une voiture, une moto qui passe, je suis au garage, toujours sur une machine de réemploi. Oui, je teste toujours pour voir si une machine de réemploi peut proposer du contenu vidéo. Et bien, elle peut. Dans la dernière vidéo, on a vu comment extraire le contenu audio, donc d'un CD audio, tout en profitant donc de la base de données gnudb.org, et vous avez vu, ça fonctionne très bien. Alors aujourd'hui on va voir comment extraire le contenu vidéo à partir d'un DVD vidéo. Grâce à quel logiciel? Grâce à Unbreak. Et vous l'avez vu, je n'ai pas inséré n'importe quel DVD vidéo, donc dans le lecteur optique, j'ai inséré le DVD vidéo de This Is It, de Michael Jackson. Donc dans ce coffret édition limitée, il y a deux DVD. Le premier DVD comporte l'intégralité du film This Is It. Okay, et le DVD numéro 2 est un DVD bonus. Peu importe quel DVD vous allez visionner, langue anglais uniquement. Ok, donc au niveau de l'audio, on n'a qu'une langue de proposer, c'est l'anglais. Par contre, au niveau du sous-titrage, on a le choix. Et on va voir quoi? On va voir comment extraire. Donc ici, j'ai inséré donc le DVD numéro 2, bonus, qui contient plusieurs pistes vidéo. Ben oui, il y a 4 ou 5 bonus. Donc on va voir comment extraire donc une piste vidéo en particulier. Donc déjà, l'audio sera, comme je l'ai dit, sera uniquement en anglais, mais avec le sous-titrage souhaité de, pour ma part, français. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, premièrement, ici, pas besoin de cette fenêtre. Je vais couper, et oui, je vais couper donc la sortie audio. Ce serait malheureux pour les droits d'auteur. Alors, je vais aller chercher mon ami VLC, Média. Ouvrir un disque, lire, le menu interactif apparaît, je choisis donc le premier bonus, donc avec les danseurs, et tout ça pour vous montrer que regardez, au niveau de l'audio, qu'une piste, l'anglais, au niveau des sous-titres, là par contre, on est gâté, ok, donc moi, je vous juste les sous-titres en français, donc ce que l'on va faire, instance terminale, sudo apt, update, mot de passe du seigneur, eh bien qui va toujours aussi bien. Ensuite, on va faire sudo apt install unbreak. Sudo apt install unbreak. Et voilà. On a juste besoin de ce logiciel. Alors, une fois que unbreak est installé, on lance donc le gestionnaire de fichiers catégorie vidéo. On va créer un nouveau répertoire que l'on va nommer, je vous le donne en 1000, Unbreak. Bon, ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fais. D'accord? Et dans ce répertoire que je viens de nommer Unbreak, eh bien, vont venir se placer donc mes fichiers vidéo de sortie. Ok? Regardez, on va le placer là. Comme ça, on verra lorsque le fichier sera créé. Menu principal des applications, son et vidéo, Unbreak sur Linux Mint 21. Unbreak arrive en version, voilà, en version 1.5.1. Vous pouvez vous rendre dans les préférences et peaufiner vos préférences, en général et avancées, mais sachez que par défaut, les préférences sont déjà top. Ensuite, il va falloir ajouter une source. Soit on passe par le gros bouton voyant là, ici, ouvrir la source, et on choisit manuellement sa source. Ou alors, regardez, nous, notre source, c'est le lecteur optique. Eh bien, fichier, regardez, on pointe directement sur le lecteur optique. Le support est analysé, et on peut voir quoi? On peut voir qu'il y a 5 sources vidéo. Je vais choisir la moins longue, bah oui, pour les besoins de cette vidéo. Ok, 11 minutes et 21 secondes. Je veux encoder l'entièreté de cette piste vidéo. Je veux l'entièreté des 11 minutes et 21 secondes. Donc, on peut voir qu'il y a deux chapitres. Chapitre, seconde. Voilà. Ok, je veux tout. Je veux tout. Hein? Et j'ai mieux parlé en seconde qu'en chapitre. Je pourrais même parler en image. Ok, seconde. Ensuite, il va falloir que je choisisse un pré-réglage pour la sortie de mon fichier. Alors ici, on parle d'un DVD vidéo, PAL, 25 images par seconde. Ça ne sert à rien de choisir un pré-réglage, par exemple, ben, comme ici, du 1080p, 30 images par seconde ou plus. Ça ne sert strictement à rien. Regardez notre piste vidéo, 720
par 576. Donc on parle de 576p, 25 images secondes. Donc, général, regardez, very fast, 576p, 25 images secondes. Vous pourriez également prendre fast, 576p, 25 images secondes. Alors, si je tourne plus vite avec du very fast, le poids de mon fichier de sortie sera plus gros parce que l'encodage se fait plus rapidement, donc ça utilise moins de ressources système et la qualité est un peu moins bonne. Mais à l'œil nu, c'est tellement peu visible, donc moi, c'est bon pour moi. Je n'oublie pas de choisir mon répertoire de sortie, mon fameux répertoire on-break que j'ai créé dans la vidéo on-break. Ok, écoutez, on est bon, presque. Alors, l'encapsulation, ce sera du MP4. Dimension, je ne touche à rien. Filtre, je ne touche à rien. Et vidéo, je ne touche à rien. C'est ça l'avantage de choisir un pré-réglage, ok? Audio, je ne touche à rien. De toute façon, si je voulais ajouter la langue française, je ne peux pas. Il n'y a qu'une piste audio, c'est l'anglais. Par contre, dans les sous-titres, je vais ajouter le sous-titre français. Ok, je vire ceci. Donc là, je suis dans liste des pistes. Sélection de pistes. Voici comment je fais. Langue disponible. C'est plus bas, c'est plus bas. Français. Ajouter. Comportement des sélections. Première piste correspondant aux langues sélectionnées. Ajouter une passe d'analyse des pistes audio étrangères. Non. Ajouter la piste sous-titre français si l'audio par défaut n'est pas français. Oui. Ajouter le sous-titrage intégré lorsqu'il est disponible. Oui. Comportement d'incrustation. Première piste sélectionnée. Mais écoutez, on est bon. Chapitre. Je laisse comme ça. Balise. Je laisse comme ça, mais je peux apporter. Je peux ajouter. Hein. Je peux ajouter des informations. Moi, je vais laisser comme ça. J'ajoute à la file d'attente. File d'attente. Je vérifie. Hein. Le récapitulatif est bon. Je pense que c'est bon. Et à partir de là, hein, commencer. Et on laisse faire. Maintenant, l'encodage va être plus ou moins rapide selon les ressources système dont vous disposez. Ok, on peut voir l'état d'avancement ici. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun. Yeah, on est bon, c'est terminé. Alors regardez mon fichier, le voilà. Le voici, 115,5 mégas. Je le lance. Ouh, il y a du sous-titrage en français. Donc, on est bon. Et la qualité est bonne. Alors certains ont peut-être remarqué que tiens, c'est pas du MP4, c'est du M4V. Sachez simplement que vous pouvez remédier à cela dans fichier, préférences, avancées. Attendez, je regarde, hein. je regarde. Voilà, utiliser une extension de fichier compatible, iPod, iTunes. Il suffit de décocher cela. Et hop, ce sera du MP4 et non plus du M4V. Et je me demande, si je fais renommer. Voilà, je peux renommer directement. Et ouais, on est bon. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao.